Son plaisir pour nous dans El Rancho, Société Immobilière et Financière, SIF, pour nous présenter bienvenue nous à président de la République là, qui vient faire une visite de effort que nous-mêmes avons fait dans le groupe ça pour nous construire un centre touristique de haut niveau, Cap Gain-la-Dent, un centre de convention, hôtel El Rancho, village El Rancho et des tours d'appartements ainsi que des maisons, des townhouses. Son projet à long terme, nous fixons nous 5-6 ans pour nous faire toute bagaille, mais nous commençons construction route, nouvelle route qui pour mener pour notre centre de convention. Nous commençons construction centre de convention en lui-même et délai nous pour nous ouvrir, c'est 18 à 24 mois. Nous espérons 18, mais on connaît avec film construction, pas jamais film connaît net. Donc nous dit 24 mois. Donc nous va être nous 24 mois et nous remercier président de ce que le vin ouais avec deux yeux li travail qu'a fait ici à président, bienvenue. Nous est plan, nous est que son travail vraiment qui va nécessiter un paquet de main d'œuvre tout. Et surtout haïtienne, donc ça veut dire qu'il va créer plus d'emplois toujours. Et nous, comme si que c'est condominium qui a venu encore, donc ça veut dire que emploi encore pour jeunes, emploi pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment un secteur touristique et nous connaissons que le secteur ça, c'est le secteur moteur de développement et pays en que lié tout. Donc là, vraiment, nous, que vraiment que job ça, que investissement ça, que monsieur ça a fait, vraiment, nous mettons chapeau bas devant eux. Et nous, c'est comme ça, nous avons encouragé tout notre investisseur tout pour venir dans le pays en tout, pour faire même travail ça. Tout. Moi, fier. Même la semaine dernière, j'ai dans une entreprise qui son financement 100% haïtien. Et l'autre fierté pas moi de la semaine dernière, c'est 100% haïtien qui a travaillé là-dedans. Aujourd'hui, m'a dit ça qui m'a dit dans El Rancho aujourd'hui, dans Pétionville, dans la Convention Center. Non, presque 10 projets, ça, nous pouvons jouer non parce que tellement gagné de unités à l'intérieur d'un seul projet. Il faut être capable de travailler pour nous dire est-ce que c'est complexe pour nous jouer non. Parce que ça, c'est un méga projet d'appartement, son projet touristique. Et ça, qui peut attirer attention, 4 secteurs que nous avons fait campagne avec vous, en deux projets, ça, tous les 4 là. Mais en vision, ce n'est pas pendant que je fais campagne là que monsieur a commencé. Monsieur a commencé le projet en 2009. Il a acheté ancien El Rancho. Le tremblement de terre a écrasé. Fondil, le tremblement de terre a écrasé. Tout investissement que monsieur a fait en 2009. Monsieur n'a pas découragé, monsieur Damio. Il prend courage à deux mains. Il met femme et garçon sur eux. Il reconstruit El Rancho. Mais seul petit bagage, je suis pas d'accord avec le PDG qui dit que 5 à 6 ans, moi-même, nous en mai 2017, en 27 février 2022, fort projet ça a fini. C'est ça qui fait la matin, moi viens dire entrepreneur, tout problème yo rien que l'État. C'est l'État qui a résolu le problème yo au plus haut niveau de l'État. Nous là, ministre touriste là, pour nous venir dire, nous pas fait partie du problème, nous fait partie de solution. Nous là pour nous encourager, pour nous faire promotion entrepreneuriat, pour nous faire promotion investissement privé. D'ailleurs, pour nous dire, nous n'avons aucun problème avec investissement privé étranger. Mais ça, c'est un investissement privé local. C'est-à-dire, le groupe moun fait effort ça. Ils ont tous mes petits cobis ensemble. Il y a un ami qui fait 40 ans depuis qu'il travaille. Il y a plus que 40 ans. Il y a un moins que 40 ans. Mais ils ont tous mes têtes ensemble. Ils ont pris un petit cobis là au lieu. Ils vont serrer l'autre bord. Ils ont dit, bon, moi, je suis dans le pays, je investis ici. Moi là pour me bailler tout support. L'État, monsieur, dame, derrière nous. Et moi dis, tout fonctionnaire l'État qui a gardé, qui a tendu moi. Je dis, il faut que l'État pas au service de nous-mêmes, il faut que c'est nous qui sommes au service de l'État. Ça veut dire qui ça? Là, nous avons servi l'État, nous avons servi citoyens, nous avons servi entrepreneurs, nous avons servi les gens qui viennent investir l'argent dans le pays. Là, on a investi quoi, faut qu'on soit à l'aise, faut qu'on soit confiant, faut qu'on soit senti une sérénité. Et c'est ça nous-mêmes nous venons porter aujourd'hui, sous leadership pas nous. Nous venons dire, chaque monde qui gagne un dollar, vous voulez investir dans le pays, l'État au plus haut niveau derrière vous. Merci.